Bonsoir à tous, c'est Sorator pour un nouvel unboxing de Woodbox, donc pour la Woodbox du mois de juillet 2019, qui arrive encore un petit peu en retard, c'est pas la première fois cette année, donc je sais pas, d'accord, alors déjà j'ouvre la... NordVPN, sérieusement, tout le monde fait de la pub pour NordVPN, mais c'est n'importe quoi, putain. Tu payes les box, elles arrivent en retard et en plus ils te foutent de la pub dedans, mais au moins. Je vous ai dit que j'ai annulé mon renouvellement. Lol. Alors est-ce que c'est un Kamehameha? Je ne sais pas. Voilà, ça c'était au-dessus, le petit pin habituel que j'utilise jamais. J'aurais bien aimé avoir le thème de la box en fait. Attends, c'était écrit là. Fire! Donc feu pour les non-bilingues. Donc boule de feu. Ah, ou Hadoken alors plutôt. C'est peut-être le Hadoken, je sais pas, le Hadoken de Ryu de Street Fighter. Je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est pas un t-shirt vu la taille. T'as pas assez de tissu. Une pièce d'oreiller peut-être. Un sac. Qu'est-ce que. Un sac. Qu'est-ce que chose avec ça? Parce que vous savez, c'est les petits sacs en tissu hyper fin, donc c'est même pas bien pour faire des courses. Je sais pas quoi ça sert. Là. Ça, c'est le genre de sac, vous savez, qui donne à la Japan Expo, les sacs de merde que tu utilises juste une fois et qui sont pas réutilisables. C'est que ça, tu mets tes courses dedans, ça pète, hein, what the fuck. Hein. Donc, Game of Thrones, hein, UFC, bon, écoutez, ça, je pense, voilà, c'est des restes de convention et ils savaient pas quoi en faire. Donc, goodies de merde. Ensuite, on a Retour vers le futur. Alors, j'espère que c'est pas un truc pour le poignet, là. Faut essuyer la transpi, comme les tennisman. Je crois que c'est ça. Ah my god. C'est ça, mon dieu. C'est oméga nul. Enfin, je sais pas, je m'en suis jamais servi. Vous savez, vous mettez ça là et puis vous essuyez. Enfin. Donc, à l'heure actuelle, c'est l'une des pires box. Hein. Ah, il y a peut-être le t-shirt qui va sauver le truc. Alors, attendez, c'est un Pokémon de type feu. Je vous laisse faire les paris. Dans les commentaires, avant que j'ouvre le t-shirt. Voilà, c'est peut-être le seul item qui va m'intéresser. Voilà, un petit salamèche. Alors, c'est le même design que la tasse que j'ai gardée là pour la déco. C'est le même design. Donc, je sais pas si c'est une collection officielle ou je sais pas. Mais ça a l'air d'être officiel, hein, y a le t-shirt. Bon, le t-shirt, ça va. Et il nous reste la figurine. Alors, qui est pas mal, mais bon, j'en ai déjà une. Ils en ont fait une l'année dernière déjà de Deadpool. Est-ce qu'on la voit là derrière? Non, elle doit être... ou derrière la Triforce. Donc voilà. Ou sur l'étage en dessous. J'en avais déjà un avec une licorne qui faisait une pause. Donc celle-là, je pense que je vais pas la garder. Je pense que je vais l'offrir. Vu que j'en ai déjà une de Deadpool, on verra. Du coup, bah, pour moi, c'est pas une box folle. Alors le retard, je crois que c'est à cause de la figurine, je sais plus. Après, la figurine n'est pas dégueu, hein, c'est juste que j'en ai déjà une et je suis pas hyper fan, donc... Je pense qu'en fin d'année, voilà, ça partira soit dans les cadeaux de l'entourage, soit pour les cadeaux de fin d'année, s'il y en a encore. Si ma chaîne existe encore. attends, je vais regarder quoi, là. Non, mais c'est... putain, je suis en train de bugger. Non, je voulais voir le détail de la box, mais... Et tu vas même plus le thème du mois prochain. Avant, t'avais mois prochain avec une image. Là, t'as rien du tout. Donc, comme d'hab, les woodbox, hein, c'est un peu inégal. Hein. Il y a des fois où ça va et d'autres fois où c'est pas ouf. Voilà. Écoutez. Voilà, je suis content. Je suis paré pour l'été. Je vais pouvoir m'essuyer le front. C'est génial. Putain, après 20 euros, bah si, c'est le prix d'un t-shirt, donc à la limite, c'est déjà amorti. Mais... Enfin, comme d'habitude, il y en a pour le prix, il y en a, mais bon, les cadeaux, enfin, les goodies, voilà, ils ne plaisent pas forcément. Là, voilà, c'est en demi-teinte pour ma part. Quoi qu'il en soit, je crois que je suis abonné jusqu'au mois d'octobre, donc voilà, vous en avez encore jusqu'au mois d'octobre. Et je pense que je vais arrêter, hein, parce que mon étagère à goodies qui est là, ou celle qui est au-dessus de la télé, ça commence à être plein. J'ai déjà des trucs un peu partout, j'ai le t-shirt Joker, le t-shirt, la housse de coussin Joker.
J'en ai déjà partout, mon appart est assez petit. Stop. Donc voilà, je suis assez mitigé Woodbox. Hein. Il y a des mois c'est excellent, d'autres mois c'est un peu moins bien. Après globalement on en a pour son argent, mais bon, ça fait cher quand même, ça fait un petit budget. Donc à la limite, il vaut mieux même acheter des Woodbox à l'unité sur un thème qui va vraiment te faire kiffer, plutôt que d'avoir tous les mois. Surtout que tu payes en une fois. Enfin moi je paye en une fois, donc ça fait un petit budget quand même. Donc voilà. De toute façon, je reviendrai sur mon expérience Woodbox quand je serai à la fin de mon abonnement. Mais bon, c'est quand même la deuxième année. Hein. Donc voilà, je suis satisfait sans que ce soit parfait. Et puis il y a l'encombrement qui augmente. Bref, je vous dis merci d'avoir regardé. See you next time. Ciao, ciao.